Le sixième stade de la méditation shamatha, l'expérience du magnifique nimitta. Le sixième stade est accompli quand on a suffisamment abandonné le corps, la pensée et les cinq sens, y compris la sensation du souffle, pour que la seule chose qui reste soit un magnifique signe mental, un nimitta. Cet objet purement mental apparaît réellement dans le paysage de l'esprit. La première fois, on peut le trouver extrêmement étrange, parce que l'on n'a jamais fait l'expérience d'une telle chose auparavant. Ce qui se passe est que cette activité mentale, que nous appelons la perception, cherche dans la mémoire accumulée tout au long de la vie une expérience qui soit un tant soit peu similaire. Pour beaucoup de méditants, cette beauté désincarnée, cette joie mentale est perçue comme une belle lumière. Certains voient une lumière blanche, d'autres une étoile dorée, d'autres encore une perle bleue, etc. Mais ce n'est pas une lumière. Les yeux sont fermés et la conscience visuelle a disparu depuis longtemps. C'est en fait la conscience mentale, libérée pour la première fois du monde des cinq sens. C'est comme la pleine lune, représentant ici l'esprit rayonnant, qui surgirait de derrière les nuages, qui symbolise ici le monde des cinq sens. C'est l'esprit qui se manifeste. Ce n'est pas une lumière, bien que pour la plupart des gens, cela apparaisse tel. C'est perçu comme une lumière parce que la perception ne propose rien de mieux que cette représentation imparfaite. Pour d'autres méditants, la perception choisit de représenter cette première apparition de l'esprit en termes de sensations physiques, telles qu'une tranquillité intense ou une extase. À nouveau, la conscience corporelle, celle qui ressent le plaisir et la douleur, la chaleur et le froid, etc., s'est fermé depuis longtemps. Donc, ce n'est pas une sensation physique. C'est perçu comme semblable à quelque chose de très plaisant. Bien que certains fassent l'expérience de sensations, tandis que d'autres voient une lumière, ce qui importe est que tous décrivent le même phénomène. Ils font tous l'expérience du même objet purement mental, et les détails supplémentaires qui diffèrent sont dus à leur perception différente. On peut reconnaître un nimitta d'après les six caractéristiques suivantes. D'abord, il n'apparaît qu'après le cinquième stade de méditation, une fois que le méditant a été assez longtemps avec le souffle magnifique. Deuxièmement, il apparaît quand le souffle disparaît. Troisièmement, il ne survient que quand les cinq sens externes,
la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher sont complètement absents. Quatrièmement, il ne se manifeste que dans un mental silencieux, quand la pensée descriptive, le discours intérieur, est totalement absente. Cinquièmement, il paraît étrange et puissamment attirant. Sixièmement, c'est un objet magnifiquement simple. J'ai mentionné ces caractéristiques de façon à vous permettre de distinguer les vrais nimittas des nimittas imaginaires. Parfois, quand le nimitta se produit, il peut paraître terne. Dans ce cas, on devrait revenir immédiatement au stade précédent, la vigilance pleine et soutenue sur le souffle magnifique. On est arrivé au nimitta trop tôt. Parfois, le nimitta est brillant, mais instable. Il s'allume et s'éteint comme la lumière clignotante d'un phare, puis disparaît. Cela aussi prouve que le méditant a laissé trop tôt le souffle magnifique. On doit être capable de maintenir son attention sur le souffle magnifique avec facilité, et pendant très longtemps, avant que l'esprit soit capable de maintenir une attention claire sur le bien plus subtil nimitta. Donc, entraînez l'esprit sur le souffle magnifique avec patience et application. Alors, quand il sera temps de passer au nimitta, celui-ci sera brillant, stable et facile à maintenir. La principale raison qui fait que le nimitta semble terne est que la satisfaction est trop superficielle. Vous êtes encore en quête de quelque chose, souvent d'un nimitta plus brillant ou de jhana. N'oubliez pas, et ceci est important, que les jhanas sont des états de lâcher prise, des états de satisfaction incroyablement profonds. Abandonnez donc cet état d'esprit insatiable. Développez la satisfaction par la vigilance au souffle magnifique et les nimitta et jhana apparaîtront de même. Autrement dit, le nimitta est instable parce que vous, l'acteur, n'arrêtez pas d'intervenir. L'acteur, c'est celui qui donne des ordres, le passager qui veut commander au chauffeur, qui se mêle toujours de ce qui ne le regarde pas et qui gâche tout. La méditation est un processus naturel de tranquillisation qui implique que vous ne vous mettiez pas du tout dans le passage. La méditation profonde ne survient que si vous lâchez prise vraiment. Cela veut dire vraiment lâcher prise, au point que le processus finit par mettre l'acteur totalement hors jeu. Un moyen habile de réaliser ce lâcher-prise profond est d'offrir délibérément sa confiance au nimitta.
interrompait très délicatement le silence pendant un instant et murmurait dans votre tête que vous donnez votre pleine confiance au Nimitta, de façon à ce que l'acteur puisse abandonner tout contrôle et s'éclipser. L'esprit, représenté par le Nimitta devant vous, prendra alors la relève, tandis que vous resterez spectateur. À ce stade, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, parce que la beauté intense du Nimitta suffit largement à retenir votre attention sans que vous ayez besoin d'intervenir. Faites attention ici à ne pas vous interroger. Qu'est-ce que c'est? C'est ça le dhyana? Que faut-il faire maintenant? Toutes ces questions viennent de l'acteur qui cherche à s'immiscer de nouveau. L'interrogation perturbe le processus. Quand le voyage sera terminé, vous aurez tout le loisir d'en tirer le bilan. Un bon scientifique ne juge une expérience qu'à la fin, une fois que toutes les données ont été recueillies. Il est inutile de se préoccuper de la forme ou des bords du Nimitta. Est-il rond ou ovale? Son bord est-il clair ou flou? Ces questions ne servent à rien, sinon à ajouter davantage de diversité, de dualité intérieure-extérieure et davantage de perturbations. Laissez l'esprit se diriger où il veut, habituellement vers le centre du Nimitta, la partie la plus magnifique, celle où la lumière est la plus brillante et la plus pure. Laissez-le faire et profitez du voyage jusqu'au moment où l'attention est attirée en plein centre du Nimitta, ou quand la lumière s'agrandit et vous enveloppe totalement. Laissez l'esprit fusionner avec la béatitude pour en arriver au septième stade de cette voie de méditation, dhyana.